Épicurien, épicurienne, voici venu le moment de la semaine de découvrir votre beau pays et des gens passionnants aussi. Quel bon plaisir est de manger avec de si belles variétés. C'est les saveurs de notre terroir qui portent fièrement notre histoire. C'est maintenant l'heure de saveurs et plaisir d'ici. J'ai fait une route magnifique ici même à Drummondville à la rencontre d'un gars passionné, rempli de belles surprises, un homme aux mille et un talents. Je vous présente bien sûr Davy Galland. Bon matin. Bon matin, Dorothée. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je suis très contente. Écoute, on se retrouve chez toi dans un endroit magique, quasiment majestueux. C'est enchanteur, en pleine nature. Parle-nous donc un petit peu de ton histoire. T'es qui, Davy Galland? C'est qui? God, c'est toute une question. je suis un homme simple, mais très curieux. Passionné, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que la vie me passionne. J'aime apprendre, dont la curiosité m'amène à apprendre beaucoup de nouvelles choses. Mais tu sais, à la base, je suis un musicien, puis je suis un réalisateur. Donc, à travers mon travail, je travaille avec des artistes pour développer toujours la création. La création me tient à cœur. Alors, donc par cette extension-là musicale, si tu veux, j'ai développé des intérêts pour bien, les arts en général, dont l'ébénisterie. Puis ensuite, bien, l'art de bien vivre, la culture, bien manger. Donc, ça nous apporte à faire plein de choses ici, dans notre petit endroit, dans notre endroit bien bucolique. On habite depuis 21 ans, qu'on a tout remanié. On a planté 400 arbres ici. Wow. On s'est planté le vignoble qu'on va voir plus tard, les abeilles et tout, qui est d'ailleurs une qui est venue nous visiter juste maintenant, c'est bon. Elle dit, quoi, j'ai un micro? Ouais! Bzzz! Elle a dit bzzz! C'est ça. Une passion que tu transmets aussi à tes enfants. À mes enfants, parce que oui. Tu as des enfants, tu as trois jeunes enfants. Trois jeunes enfants. C'est magnifique hein, d'être en mesure de transmettre toutes ces passions-là. Parce que ça fait une enfance qui est différente de monsieur, madame, tout le monde. Quand on a des parents qui sont ouverts à cette culture-là, mais aussi à tout ce qu'on peut faire avec nos mains, avec notre tête, avec notre cœur surtout. C'est important d'éduquer les enfants aujourd'hui pour qu'ils comprennent comment la vie peut aller. Parce qu'on peut laisser la vie passer et là, on se rend compte que le temps, c'est un cadeau. Hein. Oui, exactement. Et puis, on peut pas l'acheter. Tu arrives à la fin de ta vie, tu dis, j'ai plus de temps. Ah, j'ai de l'argent, comme je peux acheter n'importe quoi, mais tu peux pas acheter du temps. Alors, on peut butiner, hein? on peut faire plein d'affaires. Mais il faut profiter du temps pendant qu'il est là. Exactement. Vive le moment présent. Alors, tu es vraiment reconnu, toi, pour ton talent musical, ton talent artistique. Mm-hmm. Ça t'est venu de où, l'envie de cultiver du miel? Oh my God! Ça fait longtemps que je veux... Est-ce que je suis intéressé par les abeilles, par le miel? Ça m'est venu... Je suis en train de déjeuner avec les enfants un bon matin, puis là, on met du miel. Puis je regarde mon fils, Lucas, le plus vieux, qui va avoir 13 ans dans une semaine, qui prend une méchante grosse cuillerée de miel. Puis là, je le regarde faire, puis... Les abeilles ont travaillé fort pour faire ça. Alors, l'idée m'est venue, on va se trouver des ruches pour que les enfants comprennent d'où vient le miel et que c'est pas un... Comment dire? Que c'est précieux. Exact. Alors, tu sais, ce qu'on mange, on doit l'apprécier parce qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui a travaillé fort pour le faire. Et puis, oui, c'est facile d'aller à l'épicerie puis d'acheter un pot de miel, mais de voir comment ce pot de miel-là est venu au monde,
Ça c'est passionnant. C'est passionnant, mais je voulais le montrer aux enfants. Je veux dire, vous comprenez que les choses... Tu sais, le sirop d'érable, là, c'est 40 pour 1 en moyenne. Là. C'est du travail. Exactement. Ça vient pas de rien. Là. Il y a quelque chose là qui... Que je voulais que le déclic se fasse. Donc, montrer vraiment, regarde, c'est beau ce que tu mets sur ta toast ce matin, mais il y a du travail. Oui. Il y a vraiment tout un aspect en arrière de ça que tu voulais faire découvrir à tes enfants. Oui, bien, j'étais curieux moi-même. Mais c'est surtout pour les enfants, je me dis, OK. Alors, un matin, je suis parti en 2009. J'ai acheté une ruche d'un monsieur à Bedford. Il me donne la ruche. Il dit, ça, c'est ta ruche. Là, je la regarde, je suis toute fière, une belle ruche. J'ai aucune idée quoi faire avec la ruche. Mais il dit, tu vérifies pour être sûr qu'il n'y a pas de cellule royale. OK, parfait. Alors, je prends la ruche, je la mets dans la voiture, et à côté de moi, c'est une ruche qui a, à ce point-ci, peut-être 40 000 abeilles dedans. Et la petite porte est fermée. Une chance. Est-ce que j'étais pour te demander? Mais je l'entends vibrer. Je l'entends vibrer. Là, je suis comme, OK, c'est là, c'est pas mon moteur. Non, c'est une heure et demie de route, j'ai une ruche à côté de moi. Je mets ça là, dans l'autre côté de la rue, puis là, je laisse aller ça. Puis là, je me pose la question deux, trois jours après. C'est quoi une cellule royale? J'ai aucune idée. Je sais pas quoi faire. Alors, je suis allé sur l'Internet. Puis je me suis éduqué comme ça sur l'Internet sur c'est quoi une cellule royale. J'en ai pas eu cette année-là. Mais l'année d'après, j'ai suivi un cours en apiculture quand même parce que faut bien faire les choses. Exactement. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai appris beaucoup. Les maladies surtout, les mythes, tout ce que les abeilles ont à confronter. Et les abeilles n'ont pas facile. On entend parler beaucoup via les networks sociaux, okay, oui. Facebook et compagnie. Tous les insecticides et les mythes et tout ce qui vont affecter les abeilles. Puis les abeilles sont en danger, c'est un péril, c'est sérieux. Là. Uh-huh. On parle de choses sérieuses. Si l'abeille s'en va, il nous reste 4... 7 ans, peut-être, pour l'être humain, parce qu'il pollinise tout ce qu'on mange. Oh. Alors, si on n'a pas d'abeilles, on est foutu. Alors, c'est vraiment un miracle de Dieu, ou appelons-le comme qu'on veut, mais c'est vraiment une bébite qui est rentable pour l'écosystème, pour l'humain, pour le monde. Elle est essentielle. Et puis, l'abeille s'est développée, l'évolution, tu sais, on parle de centaines de millions d'années. Et puis là, en seulement 50 ans, et même pas, là. Dernièrement, avec les néoniques, les insecticides qu'ils utilisent, ça fait un ravage fou. Il y a toutes sortes de maladies, colony collapse disorder. Donc, les abeilles sont décimées. C'est vraiment sérieux. Alors nous, du départ, le point de départ, c'était le miel. Et par le fait des choses, j'ai fait, attends un peu, là, on a besoin des abeilles. Alors, c'est pas juste le miel maintenant, c'est rendu, on a besoin. Je fais ma part avec mes abeilles. Pour polliniser les fleurs, les entourages, les pommiers, les bleuets, les concombres, ça touche à tout. Davy est un porteur de grandes nouvelles, de bonnes. Disons que les gens sur le rang sont chanceux parce que tous leurs aliments se font polliniser par nos abeilles. Et puis, toi, au niveau de ton miel, tu ne fais pas les choses à peu près. Tu as décidé aussi de le rendre naturel, donc de ne pas le pasteuriser. Oui. Je le laisse le plus naturel possible. En fait, quand on récolte le miel, vous allez voir les cadres, on sort les cadres, on extrait le miel à froid, c'est-à-dire qu'on ne le chauffe pas. Quand tu chauffes le miel ou les cadres, tu as l'avantage d'aller chercher peut-être un petit peu plus de miel parce qu'il est plus liquide. Okay. Mais ça peut changer les propriétés s'il est trop chauffé. Et si tu chauffes vraiment longtemps, on parle de 20-30 minutes, là, il devient pasteurisé. Le miel pasteurisé, entre ça et du sucre blanc, pas une grosse différence. Rendu là, toutes les propriétés qui sont bonnes dans le miel n'existent plus. Okay. C'est parti. Bye-bye. Nous, notre miel, extrait à froid, on extrait un petit peu moins, mais c'est très naturel. C'est comme si ça sort de la ruche. Ça goûte encore la cire. Les pollens sont là. C'est le meilleur médicament au monde, le miel. C'est une des meilleures bouffes que tu peux manger. Du miel naturel. Exact. Une cuillère à table de miel naturel par jour, tu vas vivre en santé. C'est vraiment bon. Avant, on disait une pomme par jour en santé pour toujours. Là, c'est une pierre à thé de miel par jour en c'est santé les pour deux toujours. Ensemble. Mais là, c'est juste que je me demande, là, moi, là, tu rêves pas à Louis Pasteur là, dans tes rêves. Là, il vient pas te croquer les oreilles, chatouiller les pieds parce que tu pasteurises pas. Moi, la pasteurisation, puis là, on va rentrer dans une autre discussion, mais on n'ira pas là. Mais je suis un petit peu contre. Ça l'a du bien, mais ça l'a pas nécessairement. Tu sais, on a évolué pendant des millions d'années pour être ce qu'on est, et soudainement, il faut pasteuriser tout. Non, je crois pas à ça. Et le miel non pasteurisé,
Ma conjointe, elle a des allergies épouvantables. Et puis, elle voulait se faire la désensibilisation. J'ai dit, Michel, essaye le miel. Alors, j'ai commencé à prendre du miel en janvier, le matin, tous les matins. Zéro allergie, c'est fini. Elle ingeste le pollen dont elle est allergique. Ça fait une immunité. Exact. Plus de réaction du tout. C'est comme un vaccin, en parenthèse, naturel. Donc, elle absorbe ce qui... Oui, mais le vaccin, c'est ça. On n'embarquera pas dans les vaccins. Non, on va pas dans les vaccins. Non, God, non. Moi, j'aimerais ça qu'on allait rencontrer ces petites bébêtes-là, aller les interviewer, savoir qu'est-ce qu'ils font deux journées, parce que s'ils sont comme leur boss, ils chôment pas, ben ils travaillent beaucoup plus fort que moi. Ouais. Vas-y donc. Ah oui, mon pitou. Alors, nous sommes présentement dans le rucher. Et Davy, il faut absolument que tu m'expliques quand on veut faire du miel, là, ça part de où? Ça fonctionne comme à la petite boucane. Est-ce que si on fait ça, ça fait du morse? Non, pas du mais morse. Ça peut brûler, par exemple. Ouais. C'est pas pire. OK, on fait un survol. Allez. On fait un survol rapide des ruches ici. Alors, la ruche est composée de plusieurs boîtes différentes. Dans chaque boîte, il y a des cadres. OK. Sur les cadres, dans la ruche, la reine a pond. Il y a seulement une reine par ruche. Okay. Pour combien d'abeilles? 75, 80, 85 000 abeilles par ruche. Disons juin, juillet, là, quand c'est la saison, les journées sont longues, longues, longues. Mm-hmm. Les abeilles commencent à butiner à partir de 7, 8 le matin jusqu'à 9 le soir. Des fois, on les voit encore arriver. Ils arrivent de butiner. Okay. Ben, ça travaille très fort. Exact. La ruche comme telle, on parle ici de deux boîtes. Et chaque boîte a 10 cadres. J'en sors un ici. Ça, c'est un cadre tout neuf. Alors, les abeilles, ils vont bâtir sur ça pour donner un cadre qui va avoir, comme ça, de la cire. Alors, c'est de la cire qui vient d'une glande qu'ils ont derrière la tête. Alors, eux, ils bâtissent les alvéoles. Et puis, quand l'alvéole est prête, bien, la reine, elle pond dedans. Et ça fait donc un œuf qui, l'œuf, devient une larve. Et la larve devient une nymphe. Et là, 21 jours plus tard, l'ouvrière, elle sort. C'est une abeille formée, elle est prête. Et elle sort de son alvéole et elle commence tout de suite à travailler. Wow! Alors, puis, je dois dire, il y a peut-être 5 % de la ruche que c'est des faux bourdons, donc des mâles. Mais le reste, c'est des femelles. On les appelle les ouvrières. Des vraies travaillantes. Des vraies, vraies, vraies travaillantes, là. En fait, les mâles, ils ne font qu'une chose. Non, les mâles ne butinent pas. Oui, mais ils butinent des fleurs différentes. Okay. Oui, la fleur de la reine, par exemple. Okay. C'est tout ce qu'ils font. Et puis, ils font ça une fois, mais jamais pour la reine de leur ruche à eux. Alors, c'est spécial, hein? Les faux bourdons ici vont sortir et ils vont aller féconder la reine d'une autre ruche. Et la reine se fait féconder qu'une seule fois dans sa vie. Okay. C'est tout. Et donc, les faux bourdons, les mâles, sont là-dedans. Puis, j'imagine que s'il y avait de la bière, ils buvaient de la bière, puis ils écouteraient la télé, parce qu'ils font rien d'autre. Ah oui. On vulgarise, là. On vulgarise, là. C'est ça. La reine va vivre peut-être 2 ans, 3 ans. Elle peut vivre jusqu'à 8 ans. Elle pond 2000, des fois 3000 œufs par jour. C'est incroyable. Mais elle est moins efficace après 2 ans. Donc, on va changer les reines pour s'assurer qu'on a une belle continuité de ponte dans la ruche. On mène au soute? Oui, on mène au soute. Tu me suis, donc? Ah, puis j'ai des petits outils ici qu'on va apporter, nos petits outils pour la ruche. Fait qu'on va rentrer dans la cabane, on va aller s'habiller. Puis go. Ouais. Le jour J, hein? Capable. Le moment. Le jour A.